Coucou, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver là. On fera une petite pâte de dinde. Voilà, ici j'ai pris ma viande de dinde qui a été préalablement nettoyée, que je vais rajouter dans une casserole. Je rajoute un peu d'eau, du sel. On va couvrir et porter tout ça là à ébullition. Ici, je pense que ma viande là, elle est bon, elle est presque cuite. Là, dans une autre cocotte, je vais rajouter de l'huile. Je rajoute des oignons, oignons émincés. Ici, je vais rajouter la pomme de terre, aubergine et piment. Tomate hachée. Vous allez rajouter les ingrédients que vous voulez. Vous allez retirer ou rajouter ce que vous voulez. Moi, je fais en fonction de ma convenance. Les pommes de terre, c'est pour donner plus un goût, mais on va servir sans les pommes de terre. Là, j'ai rajouté mon bouillon d'assaisonnement bio, du sel, une feuille de laurier, du poivre. Voilà, c'est tout ça revenir pendant environ. On va couvrir, c'est tout ça revenir pendant environ 10 à 15 minutes. Là, je viens mélanger encore pour ne pas que le bala puisse cramer. On va couvrir encore. Là, je vais rajouter le bouillon de la viande de dinde là. On va couvrir encore et laisser tout ça là. Faire pito pito pito. Là, je pense que comme mes pommes de terre sont cuites, je vais rajouter un peu de gombo. Et là, je rajoute ma viande de dinde. On va très bien mélanger. Puis je vais rajouter juste un peu d'eau. On va couvrir et c'est tout ça là bien se mélanger. Voilà. Là, je rajoute juste un peu de beurre. On va couvrir encore, laisser le temps de au gombo de bien cuire. Oui, là, je pense que ma viande, là, mon plat, là, il est bon. On va dresser. Vous pouvez soit accompagner avec un peu d'igname ou bien, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai mangé ça avec du pain. Là, c'est prêt. Je fais quand même. Ok, guys, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. On se dira bye bye.